Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, un haul, j'en sais rien parce que je suis pas rentrée dans le magasin encore, donc je ne sais pas. Je suis devant chez Noz, donc c'est le Noz de mon bled, on va dire. Et j'ai des cadeaux d'anniversaire à faire ou pas. Ça dépendra de ce que je trouve. Donc voilà, sachant que j'ai perdu le support pour mon téléphone quand je me filme. Donc bon là je suis dans ma voiture donc je l'aurais pas eu sur moi. Mais alors désolé le maquillage il date de ce matin, hein, il est 17h30. Donc bah voilà, c'est ce qui reste. Sans retouche, du rouge à lèvres. Une petite bouloche. Bon, enfin bref. Quoi qu'il en soit, donc je vais entrer dans le magasin. Vous voyez pas l'enseigne, mais c'est. Oui, c'est le bordel dans ma voiture. Hein. Ma fille a ramené toutes ses affaires. Elle est à la piscine, c'est pour ça que je suis ici. Donc c'est parti ou pas. Peut-être que vous ne verrez jamais cette vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus. Salut! Coucou, on est de retour. Il est 9h. Je vous raconte pas ma vie, mais en tout cas, on est parti manger quelque part et on vient juste de rentrer. Donc, je voulais juste vous montrer quand même. Je suis maquillée depuis 8h ce matin. Le rouge à lèvres, je n'en ai pas remis. C'est le Golden Rose longue tenue. Alors, c'est pas ma couleur favorite. C'est l'autre, j'en ai deux. Vous voyez pas, il est dans mon sac à main. Je ne l'ai pas retouché. J'ai mangé ce midi et ce soir. Ok? Les yeux, je vous ai posté une photo sur l'Instagram ce matin. Je suis sûre que si j'en postais une maintenant, vous verriez pas la différence. J'ai utilisé une seule couleur. Ça, c'est dans les maquillages, très facile. Je tire ma paupière. Je suis loin du coup, parce que comme je vais vous montrer des objets, je me suis mise loin. Mais voilà, donc une seule couleur, en dessous et au-dessus, avec la Sweet Peach, bien sûr. Je remets mes lunettes. Donc, Noz, j'en ai eu pour 39,89 €. Donc, pour quelqu'un qui était censé prendre des trucs pour les anniversaires, bah, j'ai quasiment pas pris grand-chose, ou en tout cas pas de cadeau principal, ça c'est sûr. On commence tout de suite, hein, je vais pas vous faire attendre. Donc là, j'ai trouvé une brume pour le corps de chez Nordic Berry. Ah, ça c'est bien, il y a les prix dessus, trop bien. Donc, 1,99 €. Et je m'étais dit, ça pouvait être super pratique. Ou pas. D'accord. Il va y avoir un truc à faire sauter. J'y arrive pas, c'est trop bien. C'est de chez Neutrogena. J'y arrive pas. Mais c'est merveilleux. Ah, ça y est. Je sais pas si vous avez vu. Généralement, quand je commande pas l'odeur, quand je suis en train de sentir, c'est que je suis perplexe. Ouais, je suis perplexe. Dessus, il y avait marqué ma brume. Brume corps express nutrition intense. Écoutez, on verra une fois que ça aura séché. J'en ai peut-être un peu beaucoup mis. Mais ça peut être pratique. Du coup, c'est pas gras sur les mains, vu que c'est une brume. À voir. Non, attends, je vais laisser mon bras comme ça colle. Ensuite. Donc, j'y vais un peu n'importe comment, je suis désolée. J'ai vu un petit casse-tête comme ça. Alors, je ne vais pas l'ouvrir davantage. Mon père adore toutes les conneries dans ce style. Alors, ça m'a coûté que dalle, hein. Ce sera pas. Oh. Ça, c'est pas la bonne étiquette. 1,99 €. Mais vous voyez, pour un complément, moi j'aime bien faire plein de petits cadeaux. En fait, fin d'année, septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a tous les anniversaires de ma famille. Il y en a deux en septembre. En octobre, il y en a trois. En novembre, deux. En décembre, deux. Voilà. Et moi, je suis toute seule au mois de juin. Donc, bah, il y a plein de cadeaux à faire. Donc ça, ou pour Noël, puisqu'il y a Noël à la suite. En petit complément pour rigoler sous le sapin ou pour son anniversaire. Ça, il va adorer. Il va se prendre la tête dessus. C'est trop bien. Voilà, ça, c'est des petits trucs. Je sais qu'il va aimer. J'ai trouvé des dominos.
Je vous montre tout, hein. La bouffe. Oui, je sais pas, je dois avoir un truc de bouffe. Pour ma nièce, donc je vais lui acheter un autre cadeau. Elle fait 2 ans aujourd'hui, mais on le fête dimanche. Donc des petits dominos en forme d'animaux. C'est de son âge, je pense que c'est pas mal. Sachant que je vais aller lui acheter une poupée, hein. J'ai trouvé des lingettes démaquillantes, alors je m'en sers exclusivement pour les swatchs que je fais si merveilleusement bien. Tout simplement parce que je ne peux plus frotter mes yeux ni avec des lingettes ni avec du coton, c'est terminé. Je deviens sensible de l'œil en vieillissant. Donc elles étaient à 0,99. Écoutez, hein, c'est très bien, hein. C'est des Nivea, je crois. Non, je dis des conneries. C'est des je ne sais pas, pur. Voilà. Alors, ça c'est du riz. J'en prends souvent des trucs comme ça quand j'ai la flemme le soir. Pas pour moi en fait, pour les autres. Donc, je vais tester celui-là. Alors, ça non, je vous le montre en dernier. Oui, je sélectionne. J'ai trouvé un t-shirt pour mon mari. Je le trouvais sympa. Donc voilà, je lui ai montré, il a validé. Je crois que c'était 6 euros peut-être bien. La marque, je ne la connais pas. La marque, c'est Life and Glory Vintage One. Franchement, je ne connais pas. Je vous montre pas. J'ai pris des trucs Gerlinéa pour le 4 heures. Je vois pas l'intérêt de vous montrer. C'est plus des. C'est pas que c'est privé, les Gerlinéa, mais bon, je vois l'intérêt. J'ai trouvé des pinceaux. Alors, j'ai pris deux fois le même. J'ai pris deux fois le même, donc c'est des Nocibé. Et là, genre, oh, je sais pas ce qu'il a, c'est un punk. Un bel autre aussi. Voilà, c'est les mêmes en même temps, hein, mais pour y avoir un défaut de fabrication. Et donc voilà, c'est assez fin, assez fluffy quand même. Donc, genre un creux de paupière hyper fin ou ce que vous voulez. Je dis toujours pareil parce que même moi, des fois. J'attrape un pinceau et je me débrouille, mais ça, ouais, même pour mes highlights ou quoi, et ça sert toujours. Donc, j'ai payé le pinceau 1,99 € l'unité, donc 2 euros un pinceau, franchement. En plus, c'est la marque Nocibé, c'est une bonne marque pour les pinceaux comme Sephora ou tout autre. Donc, franchement, je vois pas pourquoi je me serais privée. De la marque Wapa, 1,50 €. Une poudre compacte, alors pareil, 1,50 €, franchement, faites votre backup, quoi. Je sais pas du tout ce que ça vaut comme marque, je la connais pas du tout. Il y a sûrement plein de saloperies dedans, je pense pas que ce soit vegan ni quoi que ce soit. Mais, voilà. J'ai pris la teinte numéro 2. Quand je sais pas, je prends la teinte numéro 2, j'ai ouvert, mais j'ai pas swatché. Voilà, c'est mignon, hein? Parce qu'on voit le haut de mon truc. C'est un peu clair, mais pour l'hiver, c'est bien. Ça va se fondre dans ma peau. Franchement, il est mignon, hein? Avec le miroir et tout. Je sais pas combien ça coûte normalement, mais ruez-vous chez Noz si vous voulez faire votre backup, hein? Alors, mince, j'ai des trucs et je les ai pas ouverts. Ok, c'est bon, j'ai ouvert les packaging. Et il y a ça qui s'est pointé. Vous vous souvenez de ce truc-là? C'est qui ça? Comment il s'appelle celui-là? C'est Mocaccino? Je vais rajouter dans le concours. Vous avez le droit à un joker. Si vous mettez le prénom de ce magnifique chat à la place d'une des réponses au concours, il faut participer au concours, hein? Vous n'êtes pas beaucoup à avoir participé. Tch-tch. Voilà. Il va partir naturellement si je laisse. Enfin, je crois. Oui, je lui tape dessus, il adore ça. Il sort ses griffes. Du coup, j'étais partie pour récupérer. Donc, il y avait des petits trucs. Tu fais quoi? Tu sors, tu rentres. En fait, je suis dans le coin de la porte, donc je le gêne. De la marque Label. Donc, Label, je crois que c'est la marque repère. Voilà, c'est ça. D'Intermarché. Donc, à tester, moi, je dis, il y avait plein de petits monos. Donc, celui-là, il est un peu vieux rose. Ouais, c'est pas vilain, hein. Oh, c'est subtil, à mon avis, ça va pas péter trois pattes à un canard.
Bon, enfin, c'est pas grave, ça fait plus des paillettes qu'autre chose. C'est pas trop mon kiff, mais pourquoi pas, à voir. De la marque Nocibé. Alors, ces andouilles, ils nous ont été collés les autocollants de prix juste sur les couleurs, donc c'est super pratique. Donc, 0,49 centimes. Je vais l'ouvrir parce que vous n'allez rien voir et moi, j'ai pas vu grand chose. Un espèce de gris très foncé. En même temps, je crois que je le voyais violet dans le magasin. Ah ouais. C'est un gris un peu violacé. Pareil, c'est super pailleté. Ça, intérêt à faire gaffe, à faire son teint, peut-être après. Mais en même temps, ça n'a pas l'air très poudreux. Pas mal. J'en ai vu un autre. Donc pareil, il y a le prix dessus, forcément. Donc 0,49. Est-ce qu'il va me rester un doigt? Donc ça, c'est un genre de vert kaki. C'est beau, hein? Il est moins intense. Franchement, pas mal. J'avais testé les fards Nocibé, si vous voulez voir la vidéo. Donc, c'est le make-up, c'est le smoky, j'en ai partout, mais comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Ils avaient tenu toute la journée avec une base et un fixateur. Hein. Ma fille est en train de chanter dans le bureau juste derrière. Donc, je teste les lingettes. Sans rien de spécial, elles sont à l'aloe vera. Et ma foi, elles ont tout dégagé en 30 secondes. Donc, ça, c'est bien. Ou alors, c'est que les fards ne tiennent pas du tout. En même temps, c'est des fards. Hein. Donc, voilà. On continue. C'est presque fini. Hein. Donc, après, ça a toujours les mains mouillées. De chez la marque Labelle également. Vu le prix. $0,99. Franchement, moi, faire des tests à $0,99, je veux bien. C'est un mascara top coat, hein, pailleté. Oula, vous avez entendu le bruit que ça a fait? Ok, c'est un peu chelou. À tester, moi, je me dis que pour Noël ou quoi que ce soit, pour les fêtes, ça, c'est bizarre, hein. Ça peut être sympa, je sais pas si vous voyez. Moi, c'est quasiment rose pailleté doré. Pourquoi pas pour rehausser les cils. Écoutez, en soyons fous hein, quand c'est... Et le revoilà. Voilà. Ensuite, je me suis pris du thé. Vous êtes content de le savoir? Parfait. Alors, il y a des bonnes offres souvent sur le thé. Voilà, on arrive à la fin. Oui, Mocha. T'as des croquettes, va manger. J'ai trouvé ça. Donc, c'est une palette. Sachant qu'elle n'était pas à disposition, on ne pouvait pas la voir. C'est-à-dire que elle était vous avez un endroit où il y a une vitrine. Alors, je ne sais pas si c'est pareil dans tous les noses, hein, vous m'excuserez, je ne les connais pas tous. Je connais celui-ci, entre autres. Et donc, au centre du magasin, ouais, au centre, vous avez des vitrines, en fait, avec comme le manège à bijoux. Et vous avez des objets. Et il y avait du make-up, pas hyper cher non plus. Et il y avait notamment cette palette. Donc cette palette, c'est... Alors j'ai regardé sur internet, c'est cruelty free, hein, d'accord. Donc ça tue, il n'y a pas de souci. Par contre, après c'est pas vegan, ni rien. Donc c'est la marque des... Alors c'est Do My Makeup ou Do Myself Makeup. Je sais plus, je vous le mettrai dans le titre de toute façon. Pas dans le titre, mais je vous le mettrai... je vous ferai une revue peut-être sur cette palette parce que je vais faire un crash test, c'est obligé. C'est une palette qui est super complète. Alors, si j'arrive... Alors, j'ai réussi du premier coup... Ah voilà, faire comme ça. Donc, elle est quand même super grande, hein. Et donc, je vais l'ouvrir. Donc, vous avez... un grand miroir que je vais cacher. Et je peux même... Il y a un fard qui vient de se péter la gueule. Non. Autant pour moi. Ah, j'ai eu peur. Ça m'est déjà arrivé. Une vidéo que vous avez jamais vue, du coup. C'est un petit truc comme ça. Donc, avec un embout mousse. Et un truc pour le liner. Donc, il s'est cassé la figure. Regardez-moi cette palette.
Je vais rien swatcher parce que je compte faire une vidéo demain. Je vais faire un maquillage ou demain ou parce que j'ai d'autres palettes à tester. Mais celle-ci, franchement, ouais, je pense que je vais le faire demain. Ici, on a genre pour faire quoi? Mais j'en sais rien. C'est pour faire les sourcils. Tout ça, c'est pour faire les sourcils en fait. Sachant que là, à mon avis, c'est un genre de concealer, parce que j'ai vu écrit quelque part qu'il y avait un concealer. Ça doit être une poudre. Elle est un peu blanche. Elle se fond. Ça sent rien du tout. Et donc là, punaise, vous avez vu toutes les couleurs qu'il y a. Alors, il y a des mats, il y a des irisés. Il y a de la paillette. Ah, il y a le noir qui est massacre. Alors ça, le souci, il y en avait qu'une. Donc inutile d'y retourner pour l'instant, je pense. Ah ouais, le noir, il s'est pris un coup. Bon, après, si c'est juste le noir, je vous dirais bien, j'en ai sur d'autres palettes. Elle n'était pas nickel, nickel. Elle n'avait pas été swatchée, mais bon, elle n'était pas nickel, nickel. Vous voyez, là, je pense que ça a été remué pas mal quand même, hein. Donc voilà ma trouvaille, 9,90 ou un truc comme ça. Je l'ai là le prix. 9,99 €. J'ai regardé sur internet, en gros ça coûte 14 €. Mais c'est vrai que il y a plein de couleurs, mais plein de couleurs que je n'ai absolument pas. Tous les bleus là. Certains violets. Les violets, c'est simple, j'en ai pas 50 non plus. Les verts. Donc ça, je suis contente puisque c'est une palette que où je peux utiliser qu'une seule couleur. Ou bon, vous me direz, il y a tellement de. Je les connais pas les fards encore. Ça se trouve, ils vont pas me plaire du tout. Donc, crash test à venir. Je vais la tester, sachant que j'ai plein de produits à tester. Donc du coup, je vais essayer de faire. Un petit truc pour vous montrer tout ça. Voilà pour nos. Je regarde, mais je vous ai tout montré. Donc quand même pas mal de petits trucs de make-up. Voilà. Sachant que en ce moment, je suis tout le temps à la bourre. Ce qui fait que ce genre de petites couleurs que je peux mettre très rapidement en entier. Alors, je fais toujours dépasser un peu, je ne sais pas si vous le voyez bien, surtout là, sur celui-là, parce que j'ai un œil qui est plus petit que l'autre et j'ai les yeux, vous voyez, qui se. Les paupières qui se font des bisous, comme dirait Abo Glitter, je ne sais plus exactement son nom. Donc voilà, ça c'est 3 secondes. Enfin, chez moi, ça dure toujours 10 plombes, vu que le mascara, il faut que j'en mette 2 couches. C'est le Bed and Sex de Too Faced. Vous vous souvenez, je l'ai eu dans mon haul Sephora. Si vous voulez voir le haul, je vous le mets. Comment vous dire? J'en suis dingue. Il est génial ce mascara. Il est vraiment super, super. J'en suis complètement dingue. Là, je porte le Sweet Peach. Alors, je vous rappelle que ça fait depuis 8 h ce matin. Il est 9 h 15, j'imagine, que je suis maquillée. Donc, qu'il ne reste pas grand-chose du fond de teint ou qu'il y ait des zones un peu cata. C'est tout à fait normal, hein. Et ben moi je trouve quand même qu'il est pas mal du tout en même temps, vu le prix, s'il était pas bien, ça m'embêterait un peu. Mais par contre, la Sweet Peach, là, c'est juste merveilleux, hein. Sweet Peach et les Better Than Sex. Et le Golden Rose qui bouge pas, quoi. Ça, c'est génial, hein. Maquillage rapide. Oui, alors je vais pas filmer comme d'habitude parce que c'est le bordel là-bas, étant donné que, comment vous dire. On est en fin de semaine, on est vendredi soir, donc la petite coupelle où je suis censée mettre mes trucs au fur et à mesure. Oh, il y a ma cigarette électronique, désolée. Au fur et à mesure, c'est juste le boxon, quoi. C'est pour ça que je suis dans un coin, en fait, pour pas vous montrer mon bordel, faut que je range demain. Fin de semaine, quoi. Voilà, mes amis, c'est tout pour ce haul Nose, qui du coup est devenu un petit haul, mais un petit haul sympa. Je suis assez contente de mes trouvailles, quand même. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces produits. Et surtout, si vous les avez trouvés chez vous, dans votre nose,
ou si je viens de faire l'exclusivité sur la palette. Je ne sais pas si vous connaissiez, mais en tout cas, moi non, je ne connaissais pas du tout. Donc, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne... Alors, là... qu'est-ce qu'il a encore ? Bravo et ma poupouille ! Il veut des câlins. Oh, il va monter sur moi ? Non, quand même pas. Oui, je lui tape dessus. Il adore ça. Il me monte son derrière pour que je lui fasse des caresses. C'est ma grosse poupouille. Il a du grassouille, lui aussi, sous le bidou. Quoi qu'il en soit, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Pas chez nous spécialement. Sachant que ça va faire, alors ça, j'ai envie de parler un peu, ça va faire plus d'une semaine, ça fait même 15 jours que j'ai filmé un haul Kiko et je vous ai toujours pas mis la vidéo. Franchement, je sais pas si je vais vous la mettre. J'ai pas fait beaucoup de make-up en ce moment, sachant qu'il va falloir que demain je fasse une vidéo pour un produit terminé. Ça déborde de partout, donc du coup, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment voir le haul Kiko que j'ai fait, donc il y avait des offres. Je me suis fait un petit panier sympa chez Kiko. Si ça ne vous intéresse pas, je ne le mettrai pas. Mais sinon, j'ai un haul Kiko. Donc, je ne sais que vous dire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ou plutôt, liker la vidéo sans vouloir vous commander. Bisous, bisous, bisous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous êtes perdu dans le monde de YouTube, abonnez-vous. Vous ne me retrouveriez pas sinon. Je me suis embrouillée. Je vous fais des bisous. Cette fois-ci, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vais aller me démaquiller. À ciao, bonsoir.